Au cœur de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, le ministère de la délivrance est un moyen efficace pour gagner et garder les âmes à Christ. S'il y a un enfant ici, if there's a child here, qui a été envoûté, who has been bewitched, envoûté, bewitched, à l'école, in school, je brise l'envoûtement. I break the bewitchment. 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 Et que tous les démons. And that every demon. Sors, va. Come out and go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. À cette 16e édition, on assiste à de nombreuses manifestations de démons qui ont fait des vies des gens leur habitation. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Poursuivi par la mort. Poursuivi par la mort. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Alors que l'intercession bat son plein au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire en faveur des familles, les démons et les esprits méchants cherchent une porte de sortie. Impossible pour eux de résister, leur seule issue, c'est de prendre la fuite, comme on peut le voir à travers leurs violentes agitations. Que la stérilité soit jugée. Et leurs cris de détresse. Ta vie ne dépendra plus de ça. Your life will never again depend on this. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré de cette méchanceté. You are delivered from this wickedness. Va-t'en. Go away. Mariée à un esprit appelé communément l'esprit de Marie de nuit, Grace Kofi était possédée par cet esprit. Au cours de la prière, l'esprit s'est manifesté et a été chassé au nom de Jésus. Tout à l'heure, quand le pasteur priait, où il a dit de chasser le mari de nuit. J'étais là, je priais aussi. Et j'ai senti comme si j'avais une bague sur mon doigt qui serrait mon doigt. Donc j'ai arrêté de prier, je me suis assise. Et quand je me suis assise, ça insistait, ça serrait mon doigt fort même. C'est là que je suis tombée. Je me suis retrouvée ici. Quand le pasteur, il priait, et il arrachait les bagues sur mon doigt. Après avoir fini de prier, j'ai vu que j'ai été libérée. J'ai dit merci à Dieu. Amen. Tout comme Grace Kofi, le lundi 8 juillet 2024, plusieurs frères ont été délivrés de l'emprise des maris et femmes de nuit. Tout à l'heure, quand le pasteur Meunier commandait aux esprits de femmes de nuit et de maris de nuit, j'ai senti que ma jambe ne tenait plus tranquillement. J'étais faible sur ma jambe. Donc je suis que c'était ça. Donc c'est ainsi que je suis venu vers l'équipe de délivrance afin qu'il me délivre. Par la grâce de Dieu, Dieu a opéré le miracle ici délivré. Donc je vais rendre gloire à Dieu. La soeur venait quand le pasteur Meunier a commencé à juger les maris de nuit. Et il a parlé précisément du serpent. Et notre sœur a été emmenée par les frères. Et pendant qu'elle arrivait, elle toussait beaucoup. Voilà. Et dès qu'elle s'est assise, quand nous avons commencé à prier pour elle, elle a commencé à vomir. Voilà, vous pouvez le constater par terre. Elle a beaucoup vomi. À chaque fois qu'on a insisté sur le mari de nuit, elle vomissait. Et après, quand elle est venue du sud, elle nous dit qu'elle va très bien. Toutes les sensations de vomissure qu'elle avait à elle ont disparu. Donc ça veut dire que l'esprit est parti. Donc elle a été délivrée authentiquement d'un esprit, de mari de nuit, mais précisément un esprit du serpent. Voilà. Comment et pourquoi un mari ou femme de nuit peut-il posséder un croyant? À cette interrogation, le pasteur Ernest Traillé lève le voile en expliquant le phénomène des maris et femmes de nuit. Un vrai enfant de Dieu, délivré authentiquement, ne peut plus avoir accès à ce genre de situation. Généralement, ce sont les idoles. C'est-à-dire, vous connaissez les quatre catégories d'idoles. Donc, quand un frère vit dans les idoles, ou bien quand il y a un problème de colère ou des provocations auxquelles
le frère répond ou bien la sœur répond. Tant qu'il n'y a pas de porte d'ouverture, le mari de nuit ne peut pas venir. Mais dès qu'il trouve une porte d'ouverture, c'est là qu'il vient pour travailler, pour opérer dans la vie de la personne. C'est le péché. Donc quand le pasteur a abordé ce dossier, plusieurs de ces esprits-là se sont manifestés. Le mari de nuit, ça peut être un esprit de serpent, ça peut être un esprit humain, ça peut être un esprit des eaux, ça peut être un esprit de forêt, ça peut être un esprit de mort, l'esprit d'un mort aussi. Donc tous ces esprits mélangés, même les serpents, nous avons entendu des sœurs dire qu'un serpent couchait avec moi. Donc ce sont tous ces esprits mélangés qui troublent la vie des humains. Une sœur peut être là ou bien un frère peut être là. Il n'a pas le désir de se marier. C'est-à-dire qu'il enlève l'envie, le désir de se marier dans le cœur, dans la vie du frère. Donc tu peux vivre longtemps, tu penses que tu es un homme normal ou bien une femme normale. Quand on te dit frère, mari, toi ou bien sœur, c'est comment? Tu expliques que oui, non, le mariage, ça c'est pas mon affaire. Moi, je vais servir le Seigneur et puis aller au ciel. Mais une fois que le mari de nous, mais la femme de nous est partie, le désir de se marier habite la personne. Donc c'est la majorité des frères qui, ou des sœurs qui n'aspirent pas au mariage, généralement c'est inspiré par le mari de nuit. Donc quand le dossier est abordé aujourd'hui par le pasteur Meunier, il y a eu plusieurs délivrances. Et les délivrances continuent. C'est un cas même que nous venons tout à l'heure de chasser. Les esprits de mari et femme de nuit existent et font beaucoup de dégâts dans la vie de ceux qu'ils possèdent. Ils sont à l'origine de nombreux divorces, des foyers brisés, du célibat, de la stérilité et bien d'autres maux. Ils sont également à l'origine de la pratique des péchés tels la prostitution, l'immoralité sexuelle, la masturbation et tous les péchés liés au sexe. Mais le Seigneur Jésus est venu pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres tous les opprimés. En collaboration avec la confrérie des sorciers vivant dans les différentes familles, les démons procèdent par envoûtement pour posséder les vies humaines. À la question de savoir si un enfant de Dieu peut être envoûté, ce programme de délivrance en est une parfaite réponse. L'envoûtement peut permettre plusieurs choses. Bewitchment can allow many things. L'envoûtement peut permettre aux esprits de demeurer en toi. Bewitchment can allow spirit to live, to stay in you. Et quand cet esprit est en toi, and when this spirit is in you, il a un rôle qu'on a assigné à cet esprit. He has a role, a duty, a task which is assigned to it. Tu peux être malade tous les jours de ta vie. You can be sick all the days of your life. Tu peux manifester la colère chaque seconde comme un démon. You can show anger every time as a demon. Quand tu entends des gens dire je me masturbais cette fois, c'est un envoûtement. If you when you hear people saying I used to masturbate myself 7 times, it's a bewitchment. L'envoûtement peut te faire boire tout ce que tu vois. It can make you drink everything that you can see. Tu as une puissance pour boire. You have a power to drink. Tu ne manges même pas. You don't even eat. Et tu ne meurs même pas. And you are not dying. Si un homme normal fait la même chose, il va mourir. If a normal man do the same, he will die. Donc les démons te manipulent et t'exploitent. Ton corps devient comme leur cheval. So demons manage and exploit you. You become like a slave. You le then understand why the work contre pour le désenvoûtement for the disenchantment est très important. Is very important. Et c'est le travail de l'Église. And it is the work of the church. Ce n'est pas le travail d'un individu. It is not the work of an individual. Certaines prières qu'on élève ici.
Some prayers that we raised here. Si tu te retires seul, il y aura pas d'effet. If you go alone, there will have no effect. Je ne dis pas toutes les prières, je dis certaines prières. I'm not saying all of them. I say some of them. Là où l'église doit intervenir. Where the church should intervene. Si tu te présentes seul. If you present yourself alone. Tu n'auras pas de grands résultats. You won't have big results. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Cette sœur du nom d'Amani Amouin Elise est un enfant de Dieu. Dans son témoignage, elle précise qu'elle a donné sa vie à Jésus depuis 2019. Membre active de l'église de la CMCI basée à Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, cependant possédée et tourmentée par les esprits de pauvreté et de célibat. Malgré toutes les tentatives pour en être délivrée, elle est demeurée la même. Conduit par le Saint-Esprit au sixième jour de la croisade, le pasteur Boniface Meyer a touché le nœud de son problème quand il a commandé aux esprits de la sorcellerie de se manifester et de disparaître. Cette sœur était possédée par plusieurs démons, dont deux courriers, l'esprit de pauvreté et l'esprit de célibat. Voilà, notre sœur bien-aimée a un âge un peu avancé. Rien ne va dans sa vie. Et lorsque nous étions en train de prier sur elle, il y a eu des révélations venant des membres qui sont très proches de sa famille, disant qu'elle a beaucoup de grâce sur elle, donc elles ont récupéré pour ne pas que sa mère soit heureuse dans ses vieux jours. Donc par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est intervenu, elle a été délivrée de l'esprit de pauvreté et de célibat. Délivrée de la tempête du célibat et de la pauvreté à travers l'œuvre de la sorcellerie, elle ne peut que rendre gloire à Dieu en invitant chacun à véritablement donner sa vie à Jésus, mais aussi de prendre ce programme de renversement des principautés personnelles et familiales à cœur. Au départ, ma vie, quand j'ai commencé à donner ma vie à Jésus, ça a commencé à aller. Mais à un temps, tout est bloqué. Même j'ai plein de dettes, même sur moi, à l'heure où je suis assise. Ça a commencé à aller, mais après, tout est bloqué autour de moi. Tout ce que je fais, ça ne marche plus. J'ai l'impression qu'on paye pour mes soeurs, mais quand j'envoie pour moi, toujours c'est bas. Toujours on paye pour mes soeurs, mais pour moi, ça ne va pas. Quand le papa a commencé à prier pour la malédiction, la sorcellerie, la sorcellerie humaine a bloqué tout. Vraiment, derrière ici, là, on dirait qu'il y a un bagage, un poids même qui est déposé derrière. Bon, c'est là que je me suis rendu compte, il a commencé à crier, c'est là qu'on m'a envoyé ici. Vraiment, cette croisade a été faite, tout le monde n'a qu'à venir. Parce que quand tu viens, tu trouves ta délivrance, tu trouves ta guérison. Dieu aux frères, aux soeurs, ils n'ont qu'à arrêter de dire que je suis chrétien. Ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Mais c'est Jésus seulement qui sauve. Donc j'encourage les frères et les sœurs, ils n'ont qu'à venir donner leur vie à Jésus afin qu'ils soient sauvés. À en croire ce témoignage, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est une puissante arme spirituelle pour délivrer les familles de la captivité.